Lors du dernier épisode, Anaïs, Lou et Amalia ont fabriqué pour le Nouvel An chinois des carpes koi. Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire très simplement des lanternes chinoises de décoration. Et pour ça, on va avoir besoin de papier et de peinture ou du papier imprimé. Amalia, on peut utiliser tes dessins ? Oui, si tu veux. Allez, hop ! Pour fabriquer une lanterne, il vous faut une feuille de papier A4 imprimée ou avec un joli dessin, un crayon, un cutter, de la colle, une agrafeuse et une règle. Prenez votre feuille à l'envers et tracez une première ligne dans la largeur à 2 cm du bord. Et de l'autre côté, une ligne dans la largeur à 1,5 cm du bord. Puis tracez sur toute la longueur de la feuille des lignes verticales espacées de 2 cm. À l'aide de la règle et du cutter, découpez les lignes de la feuille. Découpez dans la largeur les extrémités de la feuille en ne laissant que les petits bouts sur les côtés. Et voilà, le tour est joué. Bien sûr, ce n'est qu'un élément de décoration. Évitez de mettre une bougie avec une flamme à l'intérieur. C'est facile à faire des lanternes. Sauf la dernière étape qui est un peu compliquée. Alors, on a fabriqué des carpes koi et des lanternes. Vous découvrirez dans le prochain épisode ce qu'il manque à ces demoiselles pour compléter leur décoration du Nouvel An chinois. À très vite!